Bonsoir. Une immense icône nous rend visite ce soir. Nous sommes partis expressément de notre studio pour aller à sa rencontre. C'est un personnage qui balade un destin exceptionnel, dont le parcours s'apparente à un rêve. Il a touché à deux domaines qu'il a transformés en or, le tennis et la musique. Vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem en tennis, il a rempli le Stade de France comme artiste. Living Memories déroule le tapis rouge à cette étoile hors du commun. Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres. Si je vous dis Roland Garros, si j'ajoute Saga Africa, deux indices pour découvrir l'homme en notre compagnie ce soir. Allons donc à sa découverte avec Esther Aimo. Notre invité de ce jour est un homme au grand cœur, habitué des victoires. Parti du Cameroun à 12 ans, avec sa raquette et des rêves, le jeune Yannick, installé en France, devient plus tard sportif professionnel. Les grands moments de sa vie ne sont pas encore des souvenirs. Il les passe encore avec ses amis et sa famille. Personnalité la plus aimée en France à une époque, Yannick Noah remporte le tournoi de Roland-Garros le 5 juin 1983. C'est le dernier Français à avoir gagné un tournoi de Grand Chelem en tennis. Le 28 août 1986, Yannick décroche son meilleur classement dans le circuit professionnel, numéro 3 mondial. Avec autant de victoires, il pense à une reconversion en tant qu'entraîneur. Sa carrière s'achevant dans les années 90 alors qu'il a 30 ans. Le 30 novembre 1991, il décroche la Coupe Davis avec l'équipe de France masculine. L'histoire se répète en 96 où Yannick remporte sa deuxième Coupe Davis. L'expérience de coaching se prolonge chez les filles avec lesquelles il soulève la Fed Cup en 1997. Quelques années après, le sportif se métamorphose en chanteur. La musique, c'est son hobby. Il y fait incursion, doyen d'honneur de la ville de Kribi, son havre de paix. Yannick nourrit de grands rêves pour le tennis camerounais. Yannick, téléphone ! Tu vas là ! Comme idole, Yannick Noah a pour référence Arthur Ashe. C'est en effet son héros dans le tennis. Yannick s'est également essayé au basket. La preuve, il tire comme exemple de coaching dans la discipline Phil Jackson, l'entraîneur de Michael Jordan. Ses grands succès, il les doit au conseil de ses parents. Le digne fils d'Etoudi aime manger les chenilles, communément appelées en Ewondo les miettes. Bonsoir Yannick Noah. Bonsoir. Un mot du portrait brossé par Esther Aimo. C'est un très joli portrait, c'est bien. Je suis très flatté. Je suis très flatté qu'on parle surtout des victoires et des bons moments. Et des moments clés dans mon aventure sportive. Passer du sport individuel au coaching. Voilà. Il manquait la troisième victoire. Il y en a eu deux, mais il y en a eu trois de Coupe Davis en fait. Et je suis très fier de ça parce que je suis le deuxième coach de l'histoire au monde à avoir gagné trois Coupes Davis. Donc je suis très fier de ça. Et puis l'aventure avec les filles, c'est un très beau portrait. Alors deux grandes carrières, deux triomphes. On l'a dit tout à l'heure, vous avez transformé tout ce que vous avez touché en or, le tennis et la musique. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes de ces humains dont la gloire se multiplie? Oh, je sais pas, c'est un peu fort. Disons que, en fait, il me semble que c'est beaucoup plus simple que ça. Disons que j'ai été un joueur et un jeune joueur très passionné, amoureux de mon métier. Et c'est vrai que quand on aime son métier, les heures d'entraînement, on les compte pas, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et j'ai retrouvé cette même passion avec la musique. C'est pas tombé comme ça du ciel. J'ai fait un apprentissage, tout comme au tennis, j'ai fait mon apprentissage. Ça a pris 7-8 ans avant de pouvoir avoir la chance d'être sur les grands cours.
Et au même niveau, en musique, j'ai fait mon apprentissage, j'ai fait des tournées dans des petites salles, dans des maisons de jeunes. Et j'ai appris donc voilà, à tenir une scène, à connaître aussi ma voix et connaître aussi voilà, ma façon d'interpréter, ce que j'avais envie d'interpréter. Parce que quand on fait de la musique, c'est pas seulement pour soi, c'est surtout pour les autres. Et voilà, les messages que j'avais envie de transmettre à travers ma musique. Et ça a été, ça a continué à être une très belle aventure. On est tenté généralement de vous demander, chaque fois qu'on vous rencontre, combien de vies avez-vous eu jusqu'ici ? Tellement de vies ? Ben, le temps passe, alors forcément, quand on vieillit, on s'aperçoit qu'on a fait quand même pas mal de choses. Donc oui, j'ai beaucoup bougé. Il se trouve que ouais, ça peut être de l'extérieur assez spectaculaire parce qu'effectivement, je suis passé d'une activité sport professionnel médiatisé à une autre activité qui était également médiatisée, donc assez visible. Mais ouais, ce sont deux activités qui n'ont rien à voir. Et c'est assez rare de pouvoir avoir la chance de pouvoir vivre ces deux aventures. J'ai des souvenirs incroyables en tant que joueur de tennis qui me restent collés à la peau et ça y restera comme ça jusqu'à la fin. Et à ce même titre, avec la musique, vraiment des aventures formidables, jouer dans des endroits incroyables, avoir un rapport avec des gens qui est formidable, parce que la musique permet de se rapprocher des gens, en fait. Quelqu'un qui connaît une de mes chansons, j'ai entendu au début de ce portrait Simon Papatara, c'est une chanson qui est très forte dans mon répertoire, parce que non seulement ça me permet, moi, de ne jamais oublier mon grand-père adoré, mais c'est surtout de faire connaître l'histoire de la famille à travers cette chanson. Et vous imaginez me retrouver dans des stades à l'autre bout du monde et entendre un public chanter Papatara. C'est très très fort pour moi. On est là dans le domaine presque du spirituel. Alors Yannick Noah, je voudrais qu'on commence par le tennis. Vos premiers amours, votre première passion. Comment est née cette passion, Yannick? Bon, vous savez, les passions, qu'est-ce qui vous pousse à aller sur le court quand vous êtes enfant? Pourquoi j'allais au tennis club? En fait, j'aime me raconter cette anecdote que en fait, j'étais à l'école du centre avant d'être au lycée Leclerc. Et en fait, tout le monde joue au foot. Tous les enfants jouaient très bien au foot. Et vous savez, dans la cour de récréation, sur les terrains, on fait les équipes. Alors comme tout le monde joue bien, très souvent, j'étais le dernier à être pris. J'aimais beaucoup jouer, je me débrouillais. Mais voilà, souvent, en fait, voilà, je me noyais dans la masse. Et c'est trouvé que papa qui joue au foot et maman qui joue au basket, un jour... on décidait d'aller au tennis. Et je me suis aperçu qu'au tennis, je ne pouvais pas être le plus mauvais vu qu'on était trois à jouer. Donc au pire, j'étais troisième. J'étais très rapidement premier de mon club, au tennis club de Yaoundé de ma génération. Et assez pour la petite histoire, j'aimais beaucoup le tennis parce qu'en fait, on n'avait pas accès aux cours, bien sûr, on avait accès aux murs d'entraînement, comme il y en a un ici où les enfants ont accès, on joue contre le mur. Et j'aimais bien parce qu'il y a les filles. Quand on jouait au football, il n'y avait pas les filles. Alors qu'au tennis, il y avait les filles. Alors peut-être que j'ai joué grâce aux filles. Alors, il y a dans tous les portraits de vous, on parle de quelqu'un qui a joué un rôle très important. Il s'agit de Arthur Ashe. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Arthur Ashe est le premier joueur noir américain à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. Il a gagné le tournoi de Wimbledon en 1976. Mais avant ça, c'était une figure importante parce qu'au-delà de son talent et sa qualité de joueur, c'était une personnalité engagée. Il s'est engagé sur tous les fronts, sur le front social, mais aussi sur le front. Et avec beaucoup de subtilité et d'intelligence, notamment contre l'apartheid et l'accès, justement, pour les joueurs de couleur à l'époque, on parle des années 60, justement au court. Il s'est trouvé que la chance a voulu, que le destin a voulu, que lors d'une tournée d'exhibition, ce joueur qui était déjà mon héros, est venu faire une exhibition au tennis club de Yaoundé, qui était quand même une chose complètement improbable. Et lorsqu'ils font des tournois, les professionnels, ils jouent avec les jeunes du club. Et donc, on a joué, j'ai eu l'occasion de jouer, échanger des balles avec lui. C'était un moment extraordinaire de ma vie, parce que je sais qu'à ce moment-là, ma vie a été bouleversée à ce moment. Il s'est trouvé que c'était l'après-midi, on avait invité tous les enfants des écoles dans les tribunes. Et donc, il y avait, en général, à l'époque, les gens qui jouaient, c'était les jeunes expatriés, les jeunes français. Et puis, j'étais passé en dernier. Et quand je suis arrivé, il y avait tous les enfants des écoles. Et le petit Gengelou, là, peut-être qu'il est bon, hein, le petit, là, il allait déjà très motivé.
Et j'ai tapé des balles, et dès les premières balles, les jeunes ont vu que je tapais bien la balle, je commençais à maîtriser bien la raquette. Ils criaient, et Arthur était en face et était tellement heureux parce qu'il sentait très bien qu'il avait découvert quelqu'un en Afrique. Et ça a été quelque chose de décisif dans ma vie, parce que quelques mois après, il est allé en France pour jouer Roland-Garros. Il a parlé de moi à la fédération. Et quelques mois après, Fédération française. Et quelques mois après, j'ai eu une bourse pour aller en sport études à Nice. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir avoir et bénéficier d'un entraînement de haut niveau. Donc il a vraiment bouleversé ma vie. Cette rencontre a bouleversé ma vie. Et par la suite, il a continué à m'inspirer. Certains disent que vous sortez d'une famille de sportifs. Papa joueur professionnel en France. Maman enseignante, mais basketteuse. Oui. Et que... Vous étiez prédestiné à être un grand sportif. Bon, s'il suffisait d'avoir des parents sportifs pour être champion, ça se saurait. La différence, enfin ce dont je me souviens, c'est que quand il y avait des matchs à la maison de foot, que ce soit les Lions quand on était ici, ou le Canon de Yaoundé à l'époque, ou le Tonnerre à l'époque, moi c'est mon enfance, ou quand on était en France en vacances et qu'on voyait les matchs de Sedan ou d'autres équipes, mes parents étaient toujours là. C'est comme si c'était quelque chose de très important. Quand j'étais à l'école, que je revenais avec des notes, mes parents regardaient quand même ce que j'avais, les notes que j'avais en gym. Quand je jouais au tennis, mes parents m'encourageaient. Le sport était important dans notre quotidien. Je voyais mes parents jouer, je voyais mon père et ma mère jouer, même les championnats de France, les championnats du Cameroun à l'époque, où il y avait des rencontres, Yaoundé, Douala. C'est des souvenirs d'enfance très forts. Et je sais que le sport a toujours été à l'intérieur de la famille quelque chose de très important, voire central. Donc quand on jouait, je sais que quand je jouais, par exemple, il m'arrivait de gagner, parfois de perdre. J'avais des gens qui connaissaient la victoire et connaissaient la défaite. J'étais vraiment encouragé. Mes parents m'ont toujours encouragé. Même à une époque où il a fallu faire un choix qui est difficile entre... tenter une carrière professionnelle et arrêter mes études, c'était un choix très difficile. Le premier choix, c'était de partir d'ici. J'ai des enfants. Laisser ton enfant de 12 ans partir à l'autre bout du monde, c'est quelque chose de difficile. Je voulais en parler parce que vous dites quelque part que votre mère vous a tellement aimé qu'elle a accepté de vous laisser partir. Oui. Ça paraît paradoxal. C'est beau, hein? C'est très beau, mais c'est paradoxal. Oui, c'est beau. Je pense que quand on aime quelqu'un et quand on pense à cette personne qui a l'amour inconditionnel d'une maman ou d'un parent, on est prêt à même se sacrifier pour son enfant. C'est quelque chose que je n'ai pas réalisé quand j'avais 12 ans, ou 13 ans, ou 14 ans, même plus tard. Je l'ai vraiment réalisé quand je suis devenu père de famille. Que c'est vraiment... j'ai dû le vivre, ça, même précisément avec Joachim, où une année, il a décidé d'aller aux États-Unis alors qu'on était en France. Et c'était... voilà, je me séparais de mon fils et je me suis souvenu de ce moment où mes parents m'avaient laissé partir. À 12 ans. Et un jour, j'ai demandé à maman, « Maman, mais comment tu as fait ? Moi, j'ai des enfants. Bon, partir à 18 ans, c'est une chose, mais comment tu as fait pour me laisser partir comme ça ?» Elle fait, « Chérie, j'ai pleuré tous les soirs. » Et voilà, elle a pleuré pour moi. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. L'amour, elle a eu un amour généreux. Souvent, les parents veulent garder leurs enfants pour eux. Et mes parents n'ont jamais été comme ça et je leur dois tout. Et vous arrivez en France tout jeune homme, 12 ans, comment ça se passe? Est-ce que vous vous souvenez encore des moments durs ou des moments difficiles? Je me souviens de tout. Des bizutages. Je pense qu'on apprend beaucoup dans la difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup plus de leçons dans la difficulté, dans la douleur parfois, que dans la facilité. Le tout c'est d'apprendre. On tombe souvent dans la vie, mais le plus dur, c'est d'être suffisamment lucide pour rebondir. Mais pour un enfant de 12 ans, c'est très, très difficile. Oui, c'est laisser dur. Les parents à 6000 km, oui. Être tout seul en France et se retrouver avec des gens, en fouillant dans votre vie, j'ai trouvé, des gens de 15, 16 ans, alors que vous en avez 12. Oui, j'étais jeune. J'ai beaucoup pleuré les premiers mois, tous les soirs, quand on éteignait les lumières du dortoir. J'avais vraiment le mal du pays, le mal de la famille. Mais vous savez, un enfant a cette capacité d'adaptation qui est incroyable. Peut-être que c'est une forme d'inconscience. Du jour au lendemain, je me suis arrêté de pleurer et j'ai réalisé qu'en fait, c'était ma vie.
de ma vie qu'il s'agissait. Très souvent à cet âge-là, 12, 13, 14, même plus tard, on joue pour faire plaisir à nos parents. On joue pour faire plaisir à son père ou sa mère. On amène un bon carnet de correspondance pour faire plaisir à son père ou sa mère. À ce moment-là, j'ai découvert très rapidement qu'en fait, je jouais pour moi, que je travaillais pour moi. Et donc, j'étais très mature, très tôt. Et la France, à quel moment la France découvre qu'elle a un nouvel espoir de tennis? Oh, du moment où je suis arrivé en France, tout de suite, il était clair que j'étais un espoir. En France et ailleurs, j'étais déjà un espoir ici avant d'arriver en France. C'était plus qu'un espoir, quoi. J'étais la perle. J'avais cette attention autour de moi. Au club, j'étais encadré par tous mes entraîneurs. La plupart que j'ai retrouvés récemment avec bonheur, 50 ans après. J'ai commencé ici, j'ai eu mes premières bases ici. J'ai eu la chance d'avoir des gens ici qui m'ont donné des bonnes bases. Et quand je suis arrivé en France, j'ai pu continuer mon aventure avec des entraîneurs de haut niveau, avec une structure de haut niveau, avec un matériel et surtout la possibilité de jouer quasiment tout d'un coup tous les jours. Et voilà, c'est l'addition de ces deux faits qui ont fait que je suis arrivé en France à 13 ans et j'étais déjà avec Ivan Lendl le meilleur d'Europe. Et puis vint l'année 1983, l'année du triomphe à Roland-Garros. Quel souvenir vous gardez de cette compétition? Bon, on m'en parle presque tous les jours. Il y a de quoi? Ça fait 38 ans. Il y a de quoi? Il y a des moments dans la vie dont on se souvient. Je pense qu'on arrive tous à des moments, on a 3-4 carrefours dans nos vies, des moments qui ont compté. J'ai eu cette chance de toucher à mon rêve. J'ai sacrifié une part de mon adolescence, la vie avec ma famille, toutes ces années, un travail important, parce que je voulais atteindre ce rêve. Et quand vous atteignez ce rêve après toutes ces années, c'est d'une violence inouïe. Vous tombez. J'ai rêvé, j'étais pensionnaire à Roland-Garros, j'ai habité à Roland-Garros, j'ai dormi à Roland-Garros. Le nombre de nuits que j'ai passées sur le central vide à rêver de ce moment. Et quand ça arrive, vous pensez à Dieu, vous pensez que vous ne méritez pas ça, vous pensez qu'en fait, est-ce que c'est vraiment vous? Et en fait, tout ce moment est devenu réalité quand papa est monté a sauté sur le court. Chez nous, on n'exprime pas l'amour. On le vit, on le démontre, mais on ne se le dit pas. Je pense que la première fois que papa m'a vraiment pris dans ses bras, il était peut-être plus heureux que moi. Donc partager ce moment a été très fort. Très fort pour nous, mais très fort parce que ça a captivé l'imagination des gens dans le monde entier. Un père qui saute dans les bras de son fils, quoi. À quel moment vous pensez réellement, en 1983, que vous allez remporter ce grand chelem? Est-ce à partir des quarts de finale, quand vous battez Lendl, ou alors en finale face à Mats Wilander? Ça vient graduellement. Je m'étais tellement entraîné que je me sentais vraiment prêt. Invincible. Je me sentais vraiment prêt à me mettre dans la peau de celui qui pouvait gagner. Chose qui ne m'était pas arrivée auparavant. Je me sentais vraiment prêt. J'avais gagné quelques tournois auparavant. J'avais battu déjà mes adversaires dans des tournois, certes mineurs, mais je les avais battus. Je m'étais entraîné comme jamais de ma vie et j'étais vraiment prêt. On peut dire que c'est le seul tournoi que votre mentor, Arthur Ashe, n'a pas gagné en Grand Chelem. Il a gagné les autres. Oui, Arthur Ashe, en fait, les Américains s'entraînent beaucoup sur des surfaces en dur. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner à Nice. On s'entraînait sur terre battue, donc c'était une surface que je maîtrisais. Mais Arthur a gagné en Australie, a gagné l'US Open et a gagné également Wimbledon, qui est le plus grand tournoi. Moi, j'ai gagné mon plus grand tournoi parce que j'ai été chanceux. J'ai pu gagner devant tous les gens que j'aimais.
toute ma famille était là. Il aurait manqué une personne, ça aurait été incomplet. Et ça a été la chance et peut-être ma malchance. C'est-à-dire qu'après ça, cette victoire était tellement complète, elle était tellement juste à tous les niveaux. Il ne manquait rien. J'avais vécu dans cet endroit, les gens qui nettoyaient les cours, c'était mes tontons algériens. Je les connaissais, j'ai passé du temps avec eux, ceux qui nettoyaient le cours. Il y avait même un Camerounais qui était arbitre de chaise, Paul Kemajou, paix à son âme, qui est devenu président de la fédération, qui était sur le cours, juge de ligne. Il y avait toute ma famille, il y avait tous mes amis. Mon appartement à l'époque était à 500 mètres, j'étais chez moi. Il y avait tout. Et après ça, c'était tellement parfait que je n'ai plus cette même motivation qui ressemble peut-être plus à de la survie, c'est pas de la motivation, je me suis toujours entraîné. J'ai eu mon meilleur classement quelques années après, mais c'était pas la même chose. Quand je regarde ce match, ce qui m'interpelle, c'est mon regard, mon attitude. Cette chose qui... c'était comme si je jouais ma vie. Et quand on est dans cet état-là, on est très fort. Et là, ouais, j'étais un lion, là. Alors, je propose qu'on regarde un bout de cette finale inédite, cette finale inoubliable pour vous et pour beaucoup, cette finale qui vous a opposé à Mats Wilander, le Suède. Alors, quelques temps après, vous avez votre meilleur classement à l'ATP, 3e. Et puis, on a l'impression, c'est vrai que vous le dites un peu, comme si vous voulez passer à autre chose, on ne sent plus cette grosse envie, comme si, c'est vrai aussi que vous l'avez dit, vous avez gagné votre tournoi. Il y a eu plusieurs étapes, disons que j'ai commencé à perdre vraiment cette motivation très profonde à partir du moment où je suis devenu père de famille en fait. Mais ma motivation était ailleurs, mes envies étaient ailleurs. J'ai toujours eu peur d'être attiré et aspiré par la gloire. J'ai toujours eu peur de ça. J'ai vu beaucoup de gens changer après des moments aussi violents, du moment où tout d'un coup tu passes d'une personne normale à tout d'un coup un demi-dieu aux yeux des autres. J'ai toujours eu peur de ça. Je me suis toujours préservé de ça. Et juste après ma victoire, j'ai eu un moment de déprime. Parce qu'une fois les lumières de la victoire passées, il y a un espèce de vide où tout d'un coup on se pose des questions du sens de la vie, quoi. Il y a la famille autour de vous. Oui, mais après moi je voulais construire ma famille. J'avais 23 ans et je me posais déjà ces questions. J'avais atteint mon objectif professionnel, au-delà. J'étais arrivé à un statut important dans le monde sportif français, africain et aux États-Unis, je représentais quelque chose, j'étais le seul joueur de couleur à jouer sur le circuit. Donc c'était quelque chose d'important, une responsabilité que j'appréciais, que j'essayais de tenir avec tout le respect. Mais il y avait aussi cet aspect où j'avais vraiment envie d'avoir une vie normale. Vous n'avez pas encore la musique en ligne de mire ? Non, pas encore. Non, je chantais pour m'amuser, comme beaucoup. J'avais toujours de la musique avec moi, j'essayais de jouer de la guitare. Mais c'était surtout la famille. Et quand j'ai arrêté de jouer, j'ai posé la question à Arthur H., qui était un conseiller important. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire après ? Je savais qu'il s'attendait à ce que je lui dise, je vais monter une académie de tennis ou... je vais monter une chaîne de sport. Et j'ai dit, je veux chanter. Il a été un peu surpris. C'est ce que vous lui avez dit ? Ouais. Il était un peu surpris. Et il m'a dit, le plus important, c'est de faire quelque chose qui te passionne. Donc, il m'a tout de suite encouragé. Mais avant ça, j'ai dit, oui, je suis sûr, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Et la famille arrive à quel moment ? La vôtre ? Oh, Joachim est né en 85, j'avais 25 ans. Deux ans après Roland Garros. Et 1991, le premier album, Black and White, une réussite. Oui, et là, c'est en fait, la musique me permet d'exprimer autre chose. Pendant toute ma vie, mon entraînement, ma carrière,
j'ai travaillé intensément pour être fort, solide, parfois enragé, parfois des sentiments que tu vas chercher pour, voilà, tu as envie de tuer ton adversaire. Et puis dans la musique, j'ai pu avoir la possibilité d'exprimer autre chose. Quoi ? La joie, la danse, le sourire, la tendresse, la sensibilité, l'amour. Toutes ces choses-là, choses qui n'avaient pas droit, pas de place dans la carrière, ma carrière précédente. Oui, parce que autant vous sentez fort en tennis, autant on a de la peine à penser à de la tendresse que vous retrouvez en musique plus tard. Pourtant, il y a de la tendresse dans vos différents rythmes, il faut le dire. Et l'année 91, non seulement il y a ce succès en musique, vous êtes déjà capitaine de l'équipe de France de tennis et vous allez remporter encore un titre comme capitaine. En fait, vous ne ratez rien. C'est la Coupe Davis. Je maîtrise mon métier. Je maîtrise mon métier. Je comprends mon métier. Mais j'ai aussi une générosité. C'est mon éducation. Et quand j'ai arrêté, mes amis, naturellement, Henri Lecomte et Forget, sont venus me voir. En fait, tu n'arrêtes pas, on ne peut pas être sur le circuit sans toi. On veut que tu sois toujours un peu avec nous. Parce qu'on joue en double avec nous, ensemble. Je l'ai conseillé, c'était mes amis. Et donc, je suis devenu capitaine de l'équipe de France, en fait, capitaine de l'équipe de France de mes amis. Mais là, j'ai pris ce rôle très à cœur. Parce que là, il ne s'agissait plus de s'occuper de moi, mais il s'agissait de s'occuper de mes amis et de l'équipe de France. J'étais très fier de ça. J'étais très fier parce que je sais d'où je viens. Je viens d'ici. Et être capitaine de l'équipe de France, c'est plus encore. Et pour moi, en tant que professionnel, cette victoire est celle qui a mis tout le monde d'accord. Parce que quand je jouais, quand bien même lors de mon discours, quand j'ai fini de jouer, j'ai remercié la famille du tennis français, mes fans français et mes fans et ma famille camerounaise. Je n'ai pas oublié dans l'émotion, je n'ai rien oublié. Vous savez, dans ces moments-là, d'autant plus que c'est la première fois qu'on faisait un discours. Je n'étais pas prêt, je n'avais pas préparé un discours. C'est le moment où on m'a donné la scène et le micro où j'ai pu parler au plus de monde dans ma vie. Et à ce moment-là, je n'étais pas préparé et j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Et quand on parlait de la Coupe Davis, pour moi, capitaine, Yann, capitaine de Coupe Davis, gagner avec l'équipe de France et avoir toute mon équipe et tout le stade qui chante Saga Africa. Saga Africa. Je pense que là, il n'y a plus rien à dire. J'avais mis tout le monde d'accord. Et ce sont deux images qui sont très très fortes. J'ai eu d'autres victoires, mais pas aussi forte. L'image avec papa et l'image avec l'équipe de France qui chante Saga Africa. Alors on est tenté de vous demander un grand chelem personnel et deux titres de Coupe Davis. Vous accompagnez vos amis, vous accompagnez l'équipe de France. Deux titres. Trois titres. Trois titres de Coupe Davis. Il y en a un en 2017. Vous avec l'avez les filles. Oublié. Avec les garçons. La récemment. Fête. Non, Coupe Davis. Trois c'est ce que Davis. Je disais, ça avait été oublié dans le reportage. Alors du coup, il va falloir qu'on refasse un autre reportage ouais. Ensemble et qu'on refasse une autre interview. On le refera, c'est une promesse. J'en ai gagné trois. Alors, trois Coupes Davis et une Fed Cup. Et ça, c'est vous accompagnez l'équipe de France et un grand chelem qui est un titre personnel. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Si je n'avais pas gagné un grand chelem, je n'aurais pas gagné la Coupe Davis. Ah bon? Bah, parce qu'on m'aurait pas, j'aurais pas été qualifié. Donc le fait de gagner un grand chelem m'a mis à un niveau jusqu'à présent que personne n'a égalé. Quand j'ai gagné en 83, ça faisait 37 ans qu'un Français n'avait pas gagné. Donc là on est 38 ans après, c'est très vite fait le calcul. En 75 ans, il y a un gars qui a gagné en France, c'est moi. Un Franco-Camer. Un Franco-Camerounais. Parce que je suis le seul Français, mais je suis aussi le seul Camerounais. Le seul Africain. Le seul Africain. Alors... Quatre grands titres mondiaux, il faut le dire comme ça, et vous décidez de rester quand même dans la musique. Et dans cette musique, quand on regarde bien, au début ça marche,
Et puis, vous retrouvez un peu Bob Marley, ça semble un peu chuter. Et puis, vous remontez à la fin. Vous avez rempli le Stade de France à un moment. 80 000 personnes pour regarder Yannick Noah chanter. C'est un événement. Ouais, c'était bien. On a de la peine à ne pas dire alors que tout ce que vous touchez devient de l'or. Je dis à mes enfants que si vous voulez arriver à maîtriser quel que soit le métier que vous choisissez, je pense qu'il faut, j'ai calculé qu'il fallait à peu près faire 7 ans, 6 heures par jour, 5 jours, 6 jours par semaine. Si tu décides d'être guitariste et que tu fais 5 heures par jour, 6 jours par semaine pendant 7 ans, tu vas être un super guitariste. Si tu veux être docteur, j'ai des gens qui sont docteurs. Si tu travailles, tu vas y arriver. En faisant 5 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 7 ans, tu vas y arriver. Si tu veux être tennisman, si tu fais 6 jours par semaine, 5 heures par jour, tu as peut-être une chance. Moins de chance qu'en faisant des études. Ah bon ? C'est plus dur. Moins de chance. C'est pas sûr. On n'a rien sans rien. C'est pas quelque chose de génétique. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Non, c'est du travail. Vous avez dit à un journaliste en France que quand on s'entraîne, si on a pas mal, c'est qu'on ne s'est pas entraîné. Ouais. Ben ouais, on a un rapport avec la douleur physique qui est assez étonnante. C'est vrai que tant que tu as pas mal, c'est que tu n'es pas allé au bout de toi. Et un bon entraînement, c'est un entraînement où tu vas vraiment au bout de toi. Et ça doit devenir ton quotidien. Qu'est-ce qui vous a fait être aimé par les Français ? Vous êtes resté pendant longtemps la personnalité la plus aimée des Français pendant longtemps. À votre avis, c'est pourquoi ? Le tennis, la musique, la générosité, la tendresse ? Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », moi ma réponse c'est pas « pourquoi ». C'est quoi la réponse ? Ma réponse c'est « merci ». Je suis très touché. Et si je peux renvoyer le compliment, je le renvoie. J'ai été porté par beaucoup d'affection dans toute ma carrière, et pas seulement en France. Il n'y a pas de sondage ici de la personnalité préférée des Camerounais, ça n'existe pas à mon avis, à ma connaissance. Ça n'existe pas. Je pense qu'à un moment, je pense que j'aurais été dans les premiers. En tout cas, c'est ce que je ressens au quotidien quand je suis ici. Alors c'était souvent, à l'époque, c'était Yann. Après, c'est devenu Tonton Yann. Maintenant, c'est Papa Yann. C'est beaucoup d'affection. Et c'est comme ça que je le reconnais. Au-delà des sondages, c'est surtout dans mon quotidien que je reconnais cette affection. Et cette affection, je l'ai vraiment ici. Et comme je l'ai ou je l'ai eu en France. Alors, si on revient à votre musique, quel est le titre ? Tout à l'heure, on parlait de Simon Papatara. On a parlé de Saga Africa. Quel est le titre qui vous rappelle encore, qui vous allume encore aujourd'hui ? Vous savez, il y a plusieurs étapes quand on fait de la musique. Il y a la première, c'est l'inspiration devant la feuille, devant le micro, devant voilà, la chanson est en devenir. Et très rapidement, on rentre en studio et là, on se projette sur celui qui écoute. Moi, je fais de la musique pour les gens. Moi, j'aime la musique que les gens aiment. Si je fais une chanson que les gens aiment, la chantent, je suis heureux en tant qu'interprète. Et ça, j'ai eu cette chance d'avoir un certain nombre de chansons qui ont compté. Je vous parlais de Saga Africa. Dès qu'il y a Saga Africa, les gens sourient, se lèvent, dansent. Il y a cette énergie positive. Quand il y a Simon Papatara, c'est la même chose. Il y a d'autres chansons. Les Lyonnes. Et les Lyonnes, pour moi, c'est la mama. Le respect pour la mama. Les mamas, nos mamas sont des reines que j'ai voulu mettre. Sur un piédestal qu'elle mérite, et je suis content quand les gens chantent ça. Parce que quand ils chantent ça, c'est pas juste une chanson, ils chantent aussi pour leur maman, pour leur grand-maman, pour les lionnes. J'ai une autre chanson qui s'appelle Mon Eldorado. J'ai une chanson qui compte aussi pour moi, c'est Métis. C'est toutes des chansons qui ont été numéro 1 et qui, donc du coup, ont rassemblé beaucoup de gens. Alors je propose qu'on regarde une de ces chansons. Vous les aimez toutes, c'est vos enfants. Et vous avez dit que quand les gens les aiment, vous les aimez. On va regarder ces chansons. Alors, Yannick, les Français vous ont aimé, mais à un moment, certains vous ont attaqué. Vous êtes retrouvé avec l'affaire de l'évasion fiscale à un moment. Vous êtes bien défendu. Je me suis défendu disant qu'il y a eu un passage intéressant.
Parce que vous savez, quand vous êtes personnalité préférée des Français, je ne voulais pas être le gentil négro. Je ne voulais pas être l'oncle Benz. Je ne voulais pas être le petit sportif qu'on met de côté parce qu'il ne fait pas de vagues. Parce que ce n'est pas moi, j'ai des vraies opinions. J'ai des vraies opinions politiques. Je suis engagé sur le plan social. Et on vous a vu soutenir François Hollande ? Moi, je pense que c'est l'action qui compte. Et à un moment, il y avait une chanson que j'ai voulu chanter qui s'appelait « Ma colère », qui était une chanson contre le Front National. Et c'est à ce moment-là que j'ai été attaqué. J'ai été attaqué à ce moment-là parce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour le Front National en France. Et à ce moment-là, comme j'étais plus quelqu'un qui était lisse, tout d'un coup, il y a commencé à avoir des réactions. J'ai aussi exprimé ma préférence pour les candidats socialistes par rapport aux candidats de droite. C'est mon opinion. Elle a toujours été comme ça. Elle ne m'est pas imposée. Je suis un citoyen libre et je dis ce que je veux. Et donc, j'ai exprimé ça. Et c'est trouvé qu'à partir du moment où les gens sont arrivés au pouvoir, effectivement, il y a un certain nombre d'événements qui ont fait que, du coup, ils ont essayé de ne pas me faciliter la vie. Notamment un contrôle fiscal qui a duré, non seulement qui a duré, enfin il a été réglé rapidement, disons, mais dont on a parlé pendant longtemps. Très longtemps. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir affronter, il faut pouvoir assumer ses positions, quel que soit le prix. Et si c'était à recommencer, je ne changerais rien. Et puis Yannick a décidé de mettre toute son expérience accumulée au service du Cameroun. On vous a retrouvé dès 2004 préparateur psychologique des lions hénotables du Cameroun. Vous êtes un lion hénotable ? Disons que j'ai été très honoré d'être sollicité. Parce que, comme tout le monde, je suis fan de l'équipe des Lions. J'étais fan des joueurs dont je devais m'occuper, entre guillemets. Vous en connaissez quelques-uns encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Rigaud, enfin la plupart qui étaient dans l'équipe. Quoi. Mais sur certains que je vois, Samuel, Rigaud, sont mes frères, mes petits frères. Et quel était votre rôle exact ? Vous savez, dans le sport, entre le moment où vous entraînez 2 heures et le moment où vous allez dîner et le moment où vous avez l'autre entraînement, il y a beaucoup de temps. Ce temps, il peut être à la fois très positif pour un athlète ou carrément toxique. On dit souvent que ça se passe dans la tête, un match. Oui, je pense que tout se passe dans la tête. L'aspect psychologique est très important. Donc, à l'approche d'un match, il y a un certain nombre de choses à organiser. Je pense qu'un joueur joue bien quand il est dans la sérénité. On ne peut pas être dans le stress. Le stress, il est déjà suffisamment fort et d'une violence extrême quand on est sur un terrain. Quand on est sur le terrain et qu'on représente son pays, on ne s'amuse pas. C'est sérieux. Et pour ça, il faut arriver dans les meilleures conditions psychologiques possibles, que ce soit sur le plan de l'équipe et sur le plan individuel. Et mon travail consiste à faire en sorte de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions psychologiques possibles. Et quel souvenir vous gardez de cette expérience que vous avez voulu bénévole ? Bien sûr, ça me paraissait évident. Parce que je souffrais du manque du fait que je n'ai jamais fait de match ici. J'ai jamais pu montrer mon talent ici. Jamais. J'ai fait des petites exhibitions, mais j'ai jamais fait un gros match ici. J'ai jamais fait un concert, vous parliez du Stade de France. J'ai joué dans des petits endroits. Mais j'ai jamais fait un gros concert ici. Ça, c'est une grosse frustration. C'est une frustration pour moi qui suis franco-camerounais ou camerouno-français, suivant l'état, justement la vision que vous avez. C'est très frustrant pour moi de ne pas avoir pu partager ça avec mon public qui est ici. Et c'était quand on m'a proposé de faire ça, j'ai pris ça vraiment comme un honneur, de pouvoir mettre au service ce que j'avais, à savoir mon coaching, au service de l'équipe. C'était très fort. Et je voulais que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. À une époque où il y avait toujours, vous vous souvenez des problèmes des primes qui disparaissaient, des valises, les joueurs qui n'étaient pas payés. Justement, je voulais montrer l'exemple, à montrer que moi je viens pour rien. Et même, je suis prêt à payer, parce que je payais pour venir mes billets d'avion, mes hôtels. Mais c'était une fierté pour moi.
Et c'est juste ce qu'il y avait. C'était la fierté de pouvoir donner à l'équipe ce que je pouvais. Et je garde comme souvenir un souvenir merveilleux de la première fois que je me suis trouvé dans le vestiaire avant un match et que j'ai vu que l'équipe faisait la prière des musulmans et des catholiques. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, mon pays, il est beau. Mon pays, il est beau. C'est ça, mon pays. Ce pays où on est ouvert. Et c'est la force parce que c'est dans le vestiaire des lions. Et puis un moment d'une douleur extrême où, à la dernière minute du dernier match de qualification, on rate un pénalty. Face à l'Égypte. Qui nous amenait en Coupe du Monde. C'était écrit comme ça, mais je garde un souvenir incroyable. Et ce que je garde par-dessus tout, et ça c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est que je garde des amis. Vous êtes parti et vous revenez avec l'équipement entier Coq Sportif. Toujours pour ces lions indomptables. Oui. Qui sont à la peine à un moment encore. Disons que y a plusieurs phases. Il y a une histoire avec différents équipementiers, mais une longue histoire avec Puma, pour ne citer que. Il s'est trouvé qu'il y a quelques temps, Puma s'est retiré et que l'équipe avait des difficultés à trouver un sponsor. J'ai cru croire qu'il y avait eu des malentendus à ce niveau-là. Il s'est trouvé que l'option est arrivée au conseil d'administration dont je fais partie au Coq Sportif. Et la question s'est posée, est-ce que Yannick, tu penses qu'on devrait prendre les lions? Ils n'avaient pas fini la phrase que j'ai dit oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il faut tout faire pour prendre l'équipe, mon équipe, notre équipe. L'objectif, c'est de continuer un partenariat à long terme. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, le monde du sport souffre du fait qu'on a quand même une petite pandémie qui est toujours en... Donc forcément, toutes les boîtes, les activités sont en souffrance pour la plupart. Yannick, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir. Je suis sûr que les Camerounais qui regardent ce soir la CRTV aimerait bien garder une image de vous. Quelle image aimeriez-vous que les Camerounais aient de vous? Généreux. Tout simplement. Vous l'êtes? Je ne vais pas mentir. Je suis devant il y a des témoins, il y a des milliers de gens qui vont regarder. Je ne peux pas mentir devant des milliers de gens. Non, j'ai beaucoup de mal à tourner le dos à quelqu'un qui me demande quelque chose. Et j'étais un joueur généreux. J'étais un joueur qui jouait pour moi, mais aussi pour les gens. Mon métier aujourd'hui d'artiste, c'est jouer pour les gens. Je me sens très privilégié d'avoir le pouvoir de parfois faire la différence, avoir une différence positive dans la vie de certaines personnes. Quand j'aide quelqu'un, je me sens mieux. C'est cette forme de générosité. On peut peut-être dire que c'est une générosité égoïste. Peut-être que je fais ça pour me sentir mieux. Peut-être que je fais ça parce que je pense qu'il y a des gens au-dessus qui me regardent et qui me jugent. Donc j'essaie de faire en sorte qu'ils soient fiers de ce que je fais. Merci Yannick Doha d'avoir accepté d'être l'hôte de Living Memories. Merci à toutes nos équipes. Mesdames, Messieurs, bonsoir.